On part à la bordage du château avec les flibustiers des Carpates. Exactement. Bonjour. Allez les verts. On galère, c'est déjà le début. C'est que le début. L'histoire, ça. Voilà, c'est bon. Donc, aujourd'hui, c'est une très belle journée pour le marathon. Pour moi, c'est la cinquième fois. Pour mon copain, c'est la dixième fois. Pour l'autre, la première fois. Et la cinquième fois pour mon mari. D'accord, et vous venez d'où? Je suis américain. C'est un bébé du regard. Bien entendu, un pointage également sur la course des féminites. On verra s'il en est de même pour Nathalie Vasseur, bien sûr, qui reste la reine du marathon. Il ne faut pas s'inquiéter, il maîtrise totalement son sujet, il a laissé faire. Et du club d'IBM France.
boucle son marathon. C'est un garçon, certainement, c'est son troisième marathon seulement, hein, Freddy Guimard. Bon, on disait, vous savez, l'image symbolique du... On va dire, je suis très 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 heureux de gagner cette magnifique course. Pour moi, c'est, je pense, on va dire, un des plus beaux marathons en France, même extérieur, en Europe, au monde. Donc, je suis très fier de gagner ce marathon-là. Ça faisait 2-3 ans que je voulais le faire. J'ai jamais eu trop l'occasion. Cette année, j'avais un peu plus l'occasion vu l'entraînement que je voulais faire. Donc ça tombait bien. Et puis voilà, je suis content aussi de courir avec le Château Pichon pour découvrir le week-end hier et ce soir surtout. Et je suis très content de gagner cette magnifique course quand même. Je pense que c'est peut-être la plus belle de mon palmarès, à part le titre des champions de France, mais je pense que c'est la numéro 2. Présenté. J'ai pas pu m'entraîner, je voulais pas prendre de risque de me blesser et tout, donc j'ai préféré faire du 10 bornes. Et Biffis Net, j'ai gagné champion de France, donc qui m'a eu le droit d'avoir une sélection équipe de France. Donc c'est une très belle saison 2015. Et puis après, bah, aujourd'hui la course s'est déroulée pile sur les chronos que je voulais faire. Je voulais partir entre 3.20 et 3.25. Je crois que c'est l'anglais qui était avec moi jusqu'au 18e kilomètre sur des allures de 3.20. Donc moi, je me baladais, j'étais facile, j'étais content d'être accompagné. Et après, ça commençait à piquer. J'avais prévu de faire les côtes entre 3.30 et 3.35. C'est ce que j'ai fait. Par contre, la dernière ligne droite, je pensais aller plus vite, mais j'avais vraiment les cuisses chargées. Donc ça va, j'avais de l'avance. Pascal Guy, merci Pascal, il a essayé de pas se mettre dans l'axe, il y a de la nuit pour que les photographes puissent profiter de son arrivée d'Anthony Vasseur. Une nouvelle fois vainqueur. Oh non, les câbles derrière, il y en a un côté là-dessus, il est comme un malade. Les allées passées, elles se bonifient. La reine du Médoc, Nathalie. Déjà. Bah, en fait, je n'ai qu'une seule chose à dire. Le conte de fées continue. Voilà. Et on espère qu'il va continuer longtemps. Et bah, j'espère qu'il continuera le plus longtemps possible. Il était 14 fois. Et peut-être il sera 15 fois. Voilà. Bah, j'y pense. Non, pas encore. Mais non. Pourquoi pas. Je dis toujours, bah voilà, il était une fois et le conte de fées continue. Super. Ça représente quoi pour toi, le marathon de Médoc? Oh bah plein de choses, ouais. Humainement parlant, je suis contente d'avoir gagné, je suis ravie, mais en fait c'est la cerise sur le gâteau, parce que tout ce que j'ai déjà gagné ici en termes de d'amitié, en termes de respect, en termes de tout, quoi, je crois que personne ne le gagnera.